Et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour un petit tuto Redstone. Donc c'est comment faire une horloge qui dure 10 minutes, donc exactement 10 minutes, et avec un dispenser. Donc cela demande très peu de ressources, comme vous pouvez le voir. Donc alors, je vous explique. Donc déjà, ça c'est une horloge simple. Donc voilà. Un truc qui clignote, donc avec des tiges, donc j'expliquerai après, qui est relié à un dispenser. Donc j'ai mis un dropper, je sais pas pourquoi, sachant que là j'ai mis avec 10 tiges, soit une seconde, que à chaque fois j'ai mis 60 de dirt, donc 60 secondes, donc une minute, et au-dessus il y a un hopper et vous mettez dedans 60 dirt. Ou vous mettez n'importe quel item, par exemple 60 dirt. Donc comme ça vous fait 9 minutes là, plus là une minute qui va s'ajouter aux 9 minutes. Donc dès qu'on met, ça va s'écouler, mais au moins c'est calculé. Ah non, ça s'ajoute pas. Mais ça s'ajoutera en tout cas. Et donc voilà. Donc on va s'attaquer à la construction. Donc, allez, je vous retrouve juste après. Donc, on se retrouve donc pour la construction. Donc, on va commencer ça tout de suite. Donc, vous avez besoin de 4 repeaters. Bah, 10 redstone, j'en ai mis 10. Peut-être c'est plus, peut-être c'est moins. J'ai mis au hasard. Des blocs de construction. Une torche de redstone. Un dispenser. 3 hoppers. Un coffre. Et un comparateur. Donc c'est tout, hein. Il y a juste besoin de ça, c'est pas très coûteux. Alors déjà on commence par faire une horloge toute simple. Oups. Donc on pose une torche de redstone, une torche de redstone, de redstone, logique. Hop, qui passe par là. Oh non, avec un, on va l'augmenter, on va la mettre ici. Là. Un répéteur à 4 tic, donc ça clique, ça clignote. Attendez, je vais juste prendre un levier, donc pour éviter que ça clignote, parce que c'est assez chiant pour le visuel. Voilà, donc la torche ça fait un tic, plus 4 tics, 5 tics, plus encore 4 tics, ça. Non, 4 tics, ça fait 9 tics. Plus encore 4 tics. Non, plus 1 tic. Donc ça vous fait 10 tics, soit une seconde. Donc ensuite, vous prenez de la redstone. Oui, c'est ça. Vous prenez un dispenser. Vous mettez un hopper dessus. Donc en vous mettant en sneak. Ensuite, là, vous creusez deux comme ça. Donc 2 puis 1. Au fond, vous mettez un coffre. Vous mettez un hopper en sneak vers le coffre, puis un autre hopper en sneak vers le premier hopper, donc qui est dirigé, donc comme vous pouvez le voir, qui est dirigé vers le premier hopper. Oui, le premier hopper. Donc ensuite, vous avez fait ça. Vous remplissez. Ah oui, j'ai oublié de prendre des blocs de construction. On va faire ça vite. Vous remplissez. Non. Voilà. 2,60 à chaque fois. Attendez. Je vais faire un en hors caméra. Je reviens juste après. Donc, excusez-moi pour ce petit abstin à absence. Donc, voilà. Donc, j'ai rempli le dispenser de d'items. Donc, 60 par case. Et là, vous mettrez ensuite 60 stones. Donc hop, on peut le mettre déjà tout de suite. Ça va s'écouler, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est pour faciliter le calcul. Donc voilà, ça s'écoule. Normalement, il devrait y en avoir 24. Ouais, c'est ça. Donc ça s'écoule, il y en a 64 partout. Ne vous inquiétez pas, il y en a 24. Ça s'écoulera plus tard, donc quand ça se videra. Ensuite. Là, donc, comparateur plus
de quatrième repeater à un tick. Et donc, là, le circuit est presque fini. Donc, j'ai plus qu'à vous expliquer. Ça, c'est. Ouais, c'est censé être éteint. Je crois bien c'est éteint. Non, attendez 2 secondes. Oui. Oui, c'est éteint. Donc, alors. Donc, dès que le dispenser aura fini de cracher toute sa stone, de dispenser, oui, je crois qu'on dit comme ça, ce comparateur s'éteindra, puisqu'il n'y aura plus rien à l'intérieur. Ce répéteur s'éteindra, et par exemple, juste derrière, vous pouvez enchaîner avec de la redstone. Vous pouvez enchaîner sur, imaginons, une nouvelle horloge. Donc je vais la faire, hop, hop, hop. Voilà. Ouais, bah, sauf que là, ça sert à rien. Donc voilà, là c'est mal fait, mais voilà. Par exemple, une deuxième horloge de à nouveau 10 minutes. Donc par exemple, pour une map, pour des maps, ça peut être super pratique. Et c'est, ou je sais pas, voilà, je vous présente ça après. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc je cache juste ça. Ensuite, donc voilà, le dispenser va dispense dans ça ce qui va dans le coffre. Voilà, on peut essayer. Hop. On peut même compter. 1, 2, 3, 4, etc. Donc je vais l'arrêter. Donc je peux je vais vous montrer du haut ce que ça donne. Donc voilà. Et vous pouvez voir ça descend en même temps. Voilà. Et voici le circuit. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouveaux tutos Redstone. Et salut à tous. Allez, au revoir.